3, 4. Arnoul, ma soeur, elle là au piano, c'est lui, c'est celui-là. Je vous le dis, c'est celui-là, je vous le dis, c'est celui-là, je vous le dis, c'est lui, je vous le dis. C'est sûr que c'est bien lui, puisque je vous le dis maintenant. Vraiment, ça suffit maintenant de douter de tout, tout le temps. Je sais ce que je dis toujours ce que j'ai à dire, même si vous pensez qu'Arnoul est pharmacien. Non, non, il n'en est rien, y a pas de doute, il est musicien. Dites-moi le contraire, jetez-moi la pierre, allez donc jusqu'au bout, rouez-moi deux coups, au mou. L'entendez-vous, celui qui joue, il est peut-être derrière vous, le saviez-vous, vous le saviez. De c'est le clavier, de qu'il est doué, de vous le voyez, qu'il est doué, et je ne le vous dirai jamais assez. Il est l'individu le plus têtu, mais ainsi du tout détendu, jamais imbu, toujours pointu, mais impromptu, étant ému dans le salut. Dans le salut, quand il salue, tout. Il a des yeux et des cheveux et puis des pieds et des souliers. C'est plus facile pour marcher que des balais. Balais en musique, carillonne, tambourine, tintamarre, c'est joli. Jamais une fuite, jamais une fausse note, jamais une anomalie, c'est vrai. Et tant que j'y pense, laissez-moi vous présenter Monsieur Piano, si vieux mais si beau. Nous l'avons trouvé un beau matin entre un fender et un clavecin. Il ignorait tout du destin, il a croisé notre chemin. Accueilli à bras ouverts, on a dit oui, il a dit oui. Mais surtout, n'allez pas penser qu'il est marteau. Non, c'est fortissimo, il est tout simplement le piano. Non, c'est pas fini. Restez, je vous prie. Voulez-vous un café ou un cassoulet? Il doit me rester du déca, du crocodile au petit pois. Ce n'est pas gras, des après-ski, un répondeur de trois radis et quelques fleurs. Et parlons de tout, parlons de rien, devenons fous, serrons les poings. Jean-Sébastien, c'est un grand moment du rock et ça vous prend dans les mollets, dans les chevilles, c'est pas du toc. Non, 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 c'est pas du toc. J'aime tellement Jean-Sébastien que je m'égare, j'allais en oublier ma soeur. Comment aurais-je été fichu de le laisser dans le placard? Un chasseur sachant chasser sans son chien est-il un bon chasseur? Qui m'a demandé ça un jour, je crois bien que c'était ma soeur. Et patati, c'est sympathique, tic, tic, tic. C'est frénétique, tic, 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 tic. Très artistique, tic, 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 tic. La poésie dans la famille, quel smalin. Ça continue, y en a encore, y a des meilleurs et puis des pires. Ça vous poursuit, ça colle au corps, c'est un défi qui veut ma mort. Là, il vaudrait mieux que je respire. C'est bien beau chanter des concertos, oh, oh, oh. Pas facile d'aligner les mots, oh, oh, oh. Y a pas à dire, c'est pas un cadeau, oh, oh, oh. Toutes ces notes qui défilent en casse-tête dans mon dos, c'est tellement haut, c'est tellement haut, c'est tellement haut, bien trop haut, voilà, c'est ça la vie. Je fais le compliqué quand vous semblez épanoui. Voilà, c'est ça ma vie. C'est joli à l'unisson, moi je rajoute une harmonie. Voilà, je vous ai tout dit. Et là, ma foi, c'est bientôt la fin du débat. Si débat il y a, on s'est rencontrés un beau matin entre Nougaro et Chopin. Nous nous sommes pris par la main, ça faisait partie du destin. Réunis les bras ouverts, on a dit oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour la fin? Et qu'est-ce qui rime en un? Tiens, par exemple, quel grand musicien. Arnoul Massard.